welcome to sfb <laughs> news people like share <laughs> i'm on the street baby. <laughs> okay welcome back to sfb news Ah, je peux dire le trio le quadruple mmh, et le, le quatio les, 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 sont, pré sont présents mise what's au up, what's up? penti et casa allô Yeah, vous avez compris guys. Il y y'a le mic il y a le mic on va l'entendre correctement aujourd'hui comme d'habitude on parle de la nfr plus un peu des news un peu du basket qui, qui se passe et la champions league parce que mmh. la champions league s'en vient next week mardi et mercredi Bon, euh, les gars de la NFL aujourd'hui, on a regardé quelques games spécifiques. Mm -hmm. euh, on va commencer avec la première game que on va là avec euh, celle que j'ai regardée. Lion vs Seahawks. Guys, cette game-là était <laughs> <laughs> C'était deux équipes que il y a quelques années étaient des underdogs, des trash teams, la poubelle. Ils ont donné tout un combat. Gino Smith a joué du football incroyable, à part il a fait une erreur. Euh, même chose pour euh, euh, Goff. Goff aussi, qui a, il a joué du très beau football aussi. Pour vrai, j'avais l'impression que c'était une game de division. Game de playoff. Game de playoff. Ouais. Après, il était allé en OT. J'ai mmh. terminé euh, ben, un TD, je pense, 31. À, euh, 37 à 31. Euh, exactement pour Seattle. Et puis, après avoir vu cette game-là, je me suis demandé si ce n'était pas une game de rivalité. Et ma question, c'est comment on crée. Comment une game de rivalité, comment une rivalité se crée à la NFL Bon, moi j'ai une petite idée, c'est c'est vraiment c'est quand t'es deux équipes qui genre dans une même trajectoire là, comme, euh, mm -hmm. comme en même temps, on va dire, euh, tu regardes les Seahawks puis euh, euh, les Lions, c'est deux équipes que personne s'attendait à rien d'eux genre il y a deux ans, Absolument les deux rien. out of nowhere, ils ont ils, ont, ils ont eu des bons joueurs, des bons petits pieces puis ils ont fait un run au playoff. puis c'est juste les les gens aiment les underdogs. Mm -hmm. Puis, quand genre deux underdogs que les, les gens aiment s'affrontent, ça devient une, ça devient une ri rivalité. Faut vraiment que ce soit deux équipes que le public adore. Puis, quand ça donne ça, ça devient une rivalité parce que ces deux teams-là sont hype de jouer l'un contre l'autre. Puis, faut qu'ils jouent souvent l'un contre l'autre. Puis, le, tu regardes ça, les Lions, puis les euh, Seahawks, c'est la troisième saison de suite qui jouent l'un contre l'autre. L'année passée, ils ont fait une game à eux deux, je pense qu'ils ont fait 100, 100 points parce que yeah. ça a fait yeah. genre 50. Euh, ça 50... fait deux ans de suite qu'ils font en haut de 80 points dans leur. Ouais, euh, c'est ça. C est c est fou, ça. Ouais, leur match à eux, c'est explosif. So, je pense que euh, les deux équipes étaient prêts aujourd'hui pour, euh, pour ce match-là. Je veux pas dire que c'est une rivalité. Je veux dire, faut, faut il y ait des affaires, faut qu'il y ait des affaires méchantes qui se sont arrivées, des, des vieux hits dégueulasses, ton QB qui se fait blesser d'une manière bizarre. <laughs> comme, faut, faut il y ait, faut qu'il y ait quelque chose de méchant qui arrive pour que tu causes une rivalité. C'est un gros match-up. On l'a vu à chaque année, mon mm -hmm. gars, ils font ils font des points. Mais pour dire que c'est une rivalité encore, faut, faut peut-être qu'ils qu se pognent en play pour que ça soit vraiment une rivalité. Mais c'est pas un batch shot. Ça s'en va dans la bonne direction pour les deux teams. Oui. Moi, tu quoi, pour répondre, pour aller avec ce que as dit, euh, les blessures, moi, j'ai trouvé il y avait eu beaucoup de blessures, cette game-là. Il y a eu comme sept blessures, même DKMK fait partie, il est revenu, Amorastem Brown est parti, il est revenu, il y a eu trois, quatre euh, db des, des Lions qui sont juste partis, même Garner était parti l'année, mais Garner est revenu. Mm -hmm. euh, des O'Leans, il y a comme trois, quatre O'Leans sont partis des deux, des deux côtés. C'était rendu que les left tackles des Lions testaient leur leur second unit. So, <laughs> la pression venait toujours. C'était un peu ridicule. je me suis dit, Yo, les hits sont forts, les blessures sont présentes. Moi, sincèrement, je suis même prêt à le dire, le call que les Lions puis si, ah, c'est une rivalité pour les cinq prochaines années. Chaque mm -hmm. fois que vous regardez une game. À la galerie de game-là, ça va être intéressant. Il y aura des points, il y aura des blessures, il y aura des big hits. Ya, yeah. Kaza. Personnellement, je suis d'accord avec chacun de, de vos points. J'aimerais juste rajouter que pour moi, pour qu'il soit considéré comme une rivalité, il faut que match-up, victoires victoire-défaite, soit quand même assez équitable. Ça ne peut pas être qu'ils ont gagné les cinq derniers affrontements. C'est ça comme une rivalité. Cool. c'est okay. gagné aussi. Ça ça pas parce que tu regardes comme on disait Burrowhead parce que Burrow avait battu Mahomes quoi 3-0 3-0 là avait du trash talk c'est une rivalité là c'est c'est pas le c'est pas le renfort c'est mais c'est là que ça vient les rivalités c'est comme ça ça des big hits des coups salauds des star players parce qu'à à la fin toutes les games étaient Burrow a peut-être gagné toutes les la plupart des games mais c'est toutes des games qui étaient en bas de touchdown. tangente soit comme si c'était des blowouts genre quand tu regardes la game, tu regardes, tu as deux QB qui sont au le même level, tu as deux teams qui sont au le même level, puis quand tu les vois jouer l'un contre l'autre, il y a des, 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 des changes of lead. À emmener, c'est telle équipe qui gagne, l'autre équipe prend le lead, il repère mm -hmm. le lead. C'est comme des affaires que comme, tu ne peux pas juste regarder la game, puis tu es juste ok, cette équipe-là est juste en train de massacrer l'autre, puis tu sais qu'ils ne peuvent même pas compter. <laughs> c'est vraiment ça une rivalité. Tu veux voir les deux équipes jouer, puis tu veux être comme ok. Regarder ça, puis je m'attends à ce que l'autre équipe revienne dans la game. Je ne vais pas trop rester sur cette question-là, mais est-ce que c'est possible de perdre des games de rivalité Donc, perdre des rivalités comme Ravens, Steelers. Il y avait un moment que c'était une grosse rivalité ces games-là. Ouais, oh, quand t'avais Paulo Manloup et Ed Reed. Ed Reed. Maintenant, c'est devenu un petit peu. Euh... Est-ce que c'est encore considéré rivalité ou c'est juste considéré, bon, deux équipes qui s'affrontent Il y a encore là, une type. rivalité, ouais. mais ce n'est pas à son pic. C'est yeah, juste. Euh... Donc, ça ne se perd pas. Non, non, ça se perd, ça se perd, comme... ça se perd. Okay. Ça, ça se perd. Non, non, ça, ça peut pas se perdre. C'est comme Montréal-Boston. Tu peux pas, tu peux pas perdre Même si Mo Montréal est trash, c'est quand même ouais, très, très trash. C'est still une rivalité entre Montréal-Boston. Non, parce que les games sont intenses. C'est, dans leur division. C'est pour ça que ça se perd pas. Mais mm -hmm. on va dire deux équipes par rapport là, ça ouais. se perd. Dire. comme deux équipes qui sont pas dans la même division ou pas dans la même conférence, ça se perd. Ça oui. Ok. All right. L'autre question c'est relié aux blessures, vite vite comme ça. J'ai remarqué que on sait tous que maintenant la NFL est rendue de plus en plus soft. Euh, on peut monter sur le QB, euh, les casses à casse c'est terminé, ce qui est une bonne chose pour limiter les commotions. Euh, tu peux plus baguette euh, euh, casse quand le receveur est dans les airs, pour que tu tags son, son corps ou ses jambes. Mais il y a quand même beaucoup de blessures. Est-ce que selon vous c'est possible d'éviter des blessures ou non? Quick answer. Non non. Non. Cazza? Non. Ouais non. Donc. C'est euh, du sport. C est... C est vraiment ça. Je pense que quand tu rentres dans la NFL, il faut que tu t'attends à te blesser puis stretch. Ice baf, puis prépare-toi. Dans n'importe quel sport, tu prends des, tu, tu des vieilles blessures, ça peut arriver n'importe comment. C'est un sport physique, d -d ça, ça l'arrive. J'ai entendu euh, des joueurs peindre euh, au euh, terrain synthétique. Les gens, ils aiment ça, jouer sur le, le ouais, gazon. Galet, ils ont ouais, gazon, donc. Ils vont changer tous les terrains synthétiques en terrain euh, gazon. Ils disent que ça a contribué au... augmenter ils vont se blesser quand même. <laughs> C'est pas une affaire de. Oui, cette éthique, je ne veux pas dire que c'est la meilleure chose pour jouer, mais les gars font des changements de direction, comme en a dime. Ils vont se se blesser, là. Comme, ouais. Ce qu'ils demandent à leur corps de faire, c'est. Donc, on ne peut pas garder ça comme ça tout le temps. Je... All right. Euh, la performance de Geno Smith est incroyable, comme j'ai dit. <laughs> euh, ma question, c'était est-ce que la manière qu'il est en train de euh, représenter, de devenir le franchise de, QB des Seahawks, est-ce qu'il va pouvoir. Enlever ou faire oublier la legacy de Russell Wilson au Seahawks? Euh, moi je dis non parce que Russell a still gagné un, un chip avec. Euh, même même, même s'il n'a pas donné la balle à Manchurne. Mon dieu. <laughs> <shit. rire> <Ça>, j'allais <laughs> <J 'allais> dire. <laughs> j'allais dire, il en a perdu une aussi. Il en a perdu <laughs> un, il en a gagné une. Geno un. boom aussi, qui avait une grosse defense. Ça, so, tu ne peux pas enlever qu'est-ce que Russell Wilson a fait au Seahawks. so non, Geno Smith ne va pas enlever le fame à Russell Wilson. Moi je pense que les gens déjà aussi, <laughs> ah, ils, 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 ils ont déjà oublié. Ils l'ont oublié, mais je les veux gens, dire. Que... Comme, oui, il a son legacy parce qu'il a gagné un Super Bowl. Euh, je pense pas que Gino. Pour que Gino ait un legacy, il faut que lui aussi en gagne un. Je pense pas que ça va arriver. Ça, je suis pas sûr que ça va arriver, mais les gens ne pensent pas à Russell Wilson. Là, ils sont comme... il, il a pas fait un three peat, Je suis d'accord avec vous, mais Gino Smith va still pas prendre sa place. Là. Moi, je me dis que non, mais... si en gagne une... On oublie déjà Russell. Mais si, c'est un gros Black mot Là, il gagne une deuxième. Là, c'est sûr qu'il est passé à ouais, l'égalité. Parce que les gens vont dire que genre... Oh, les... C'est un gros mot aussi. là. Les Seahawks ont gagné parce qu'ils avaient mm. un bon running game, full defense, puis Russell Wilson a juste... Mm. Drive the bus. Yes. Hey! Come hey. Brock pretty. Oh, come boat, <laughs> hein. so, euh, Pour le reste, je pense pas que Russell Wilson a tant une legacy que ça comme en tant que... Comme... Oui, il est une... important pour les Seahawks, mais c'est pas... Je pense pas que c'est une affaire où les, 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 fans, les gens de Seattle sont comme. Ah, oh, Russell, Russell, Russell. C'est pas comme Drew Brees hein, avec les New Orleans. Là, comme yeah, là, exactement. Drew Brees a gagné seulement une, right? Juste une. Puis Drew Brees va rester forever. Un ouais. Saints. Ouais, oh, mais c'est à cause de l'ouragan, puis plein de shit. Mais plein d'autres shit, plein d'autres facteurs qui, qui, qui ont fait lui d'une légende. Mais. Geno Smith est encore loin d'être. Non, Geno de, de, de Smith, tu vois que c'est genre. C'est un, un belle story. C'est pour ça que les gens, comme on a puni Geno Smith un gars qui était comme un méga bust mm -hmm. et il, 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 il était backup quarterback dans plusieurs équipes puis tout d'un coup il devient starter. il nous amène en playoff puis comme il bombe là puis il, il fait comme mieux que Russell Wilson qui, qui nous a laissé pour aller à Denver je pense bon, c'est ça qui fait que les gens ont déjà un vague sur Russell Wilson parce que les gens aiment les comme Cinderella stories so les mm -hmm. gens sont juste down avec Gino Smith comme underdog. dog so les gens vont il route. joue bien tu voilà, ça les gens mm -hmm. vont route ouais, pour très lui. bien très bien Okay. moi c'est tout pour les games de Lyon-Seahawks next game let's go avec Bears and Buccaneers ouais hmm. yeah, Bears and Buccaneers j'ai pas le temps de regarder la game au début <laughs> au début il y a un moment j'ai vu que BQM B... je pensais que c'était Tom Brady qui jouait <laughs> oh <laughs> mais non tu peux te bailler comme ça tu peux te bailler comme ça regarde les stats je vois, je vois les Tampa Bay Buccaneers drive le terrain comme ils, ne... comme ils veulent 14 like 14 and 8 first down oh. comme euh, je vois euh, comment ça s'appelle Mike Evans il y a, il y a 2-3-4 pour 96 verges au deuxième quart. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, comme, là, je suis comme, c'est qui qui lance? Je vois Baker Mayfield, avait genre, il y avait 168 verges. Il, il allait vers le 200 verges au half. Là. That's crazy. Puis, il a fini avec 300 verges plus. That's <laughs> crazy. Il a fini avec 300 verges? Ah, Et, Eric, sur le groupe chat, il a dit, Bro, euh, pourquoi Baker Mayfield a l'air <laughs> d'être le Heisman Trophy QB? <laughs> Baker Mayfield a l'air d'être le joueur que tout le monde pense, pensait que Baker Mayfield était en sortant du draft. Il fait tout le temps ça. Il se fait, il se fait paye dans une nouvelle team. Il fait deux, trois bonnes games puis après il, il fout que dalle. C'est ça. Cela ma question venait être, c'était est-ce que genre Baker est vraiment comme that guy pour les Buccaneers ou c'est parce qu'il a joué contre deux trash teams, en les Vikings et les Bears. Bon, il y a joué parce qu'il a joué contre les deux trash teams, les Vikings, les Bears. Les Vikings sont trash cette année, les Bears sont trash cette année. Uh, Baker comme Frank a dit. Um, c'est toujours au début qu'il shine Shined après. So après C'est ça. Oh, Giants, are back un back d'un déficit de combien De 20-0 21-0. Daniel Jones avec son second rushing TD. Mm. That's good. So, pour continuer, Mayfield, nous a toujours des faux, des faux espoirs. Toujours. C'est rendu la cinquième game. Il commence à lancer plein de picks, prendre des mauvaises décisions, overthrow, euh, overthrow ses receveurs. Et, et puis, Mayfield, il faudrait lui donner au moins un an. Un an comme une saison constante, même à deux saisons constantes pour dire que c'est that guy for the Buccaneers. Deux, trois games contre deux des équipes trash n'est pas assez pour dire c'est that guy. Il y a flop partout ce qui est allé. Je pense pas qu'il va réussir aux Buccaneers. Il y a eu deux bonnes games, comme, comme tu as dit, deux trash teams. J'ai vu le pick six que Justin Fields a, a lancé. J'étais comme What the hell is this? Justin Fields, I'm sorry. Eric, sorry Bears fans, but. You're time to move on, man. Ok, mais tu regardes ça. Les Baker Mayfield, c'est probablement son meilleur casse de WCV. Ben, bah, ben, de WCV qu'il y a eu non, non. depuis... Ouais. Il est meilleur que oh, les Panthers. Quand il était avec les Browns à mon avis. Il y avait qui Il y avait, il y avait personne y avec les Browns. Il y avait Odell. Andrew O'Dell, ouais. Il y avait l'autre Patnais euh, que lui a disparu. Euh, oh, je, il a disparu. Il jouait pour Miami. Ah, oh oui La oui oui ouais, ouais, mais les il il faisait juste comme les short routes. Comme... Il n'y avait, avait pas comme un gars comme Evans comme... il y avait le Titan un uh, autre non un n'était coup il était pas bon à ça Lui, juste un autre flop encore non, il n'était pas bon dans ça là il y avait un casque qui pouvait non. donner des stats oui mais c'est de... il y avait deux running backs c'est ce pas gars. le meilleur casque. Vous, vous avez oublié que son père a fait, le père a fait ce vidéo editing qui montrait toutes les fois c'était pas le meilleur tout pas le meilleur moi je te dis juste que là il y a deux receivers en Evans et Goodwin. Mm -hmm. Ouais. Il y a comme, comme, je veux dire, comme un casque qui peut catch des balles comme deep, mm -hmm. short, comme, contested. Contested, ça. Tu, avec Evans, tu peux, même si le gars est convaincu, il lance le game en puis il lance le jump ball, il catch la balle. Ouais. ouais avec les, avec, quand il y avait Landry, puis euh, Odell, c'est vraiment des gars que comme, tu dois aller lancer, genre, comme des balles précises. Genre, mm -hmm. si tu lances pas une balle précise à ces gars-là, parce que deux, ils sont, les deux sont petits, là, ils ne sont pas super vrai. grands. Avec Evans, tu lances la balle, throw it up, il uh, catch, il moss, puis après ça, il a fini avec toi. La même chose avec Goodwin, c'est un gros gars comme Brick Tackle, après, le, après ses catch il yeah. fait beaucoup de runs after the catch. So, je pense que c'est receveur live, c'est le meilleur receveur qu'il y a eu, mais je pense, je pense que c'est Osmoke. <laughs> <All rire> smoke il y a joué contre deux vieilles teams. Vas-y, Freeman. Personnellement, euh, je pense que on doit voir quest ce qu'il remet en playoff avant. S'il se rend en, en playoffs, effectivement, s'il se rend en playoffs, en, play en même temps. Il y a des gars qui sont des regular season quarterbacks, puis rendus en playoffs, c'est des sacs poupou. -pou, ouais, Dak Prescott, regarde, ah, Tim <laughs> Tim oh, regarde moi je vous dis, comme, comment je vois ça, c'est qu'ils ont gagné deux games. Je suis content qu'ils aient commencé 2-0 parce que maintenant c'est Todd qui fait leur assaut. <laughs> si vous voulez Tom <laughs> si Tompabe en 2 de total win, là c'était probablement 6.5. Ils doivent être en deux à 7, si pas 8. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont 8 wins. Euh, je pense que là, ils vont avoir un losing streak qui vient pour eux. Mm. Euh, définitivement, sur leurs 4 prochaines games, j'en vois à perdre 3. Un mm. horaire difficile. Je m'en fous de l'horreur. Euh... Je sais qu'ils sont pas bons. Ils ont joué contre vraiment deux mauvaises ah, teams. C'est simple comme ça. Oh, euh, Vikings sont pourris. Disappointment. Bon, mais pas pour moi parce que je ne les file pas. Mm -hmm. Puis les... Les, Bears, les Bears, justement, ça revient à la prochaine question. Je pensais qu'ils étaient... Qu étaient mieux. Les gens les hypaient. Euh... Zion euh, Justin field a fait une game depuis saison trois 3, trois passes 150 verges mais il a lancé genre trois screens tout le monde était chaud. Euh, les, les, les comparé avec euh, Trevor Lawrence, quel Williams va prendre le plus gros step. Ah, euh, les Bears, je pense être un crossroad déjà. C'est Caleb est même pas capable de lancer pour euh, deux, verges, 200 non. verges en, en, en étant genre efficient. Euh, Est-ce que, genre, on tank, on, on va all the way to the bottom pour le draft, encore une fois, oh, puis on draft un nouveau QB oh, On draft un nouveau QB <laughs> Moi, je suis done avec Justin Fields. Tous les Bears fans devraient être done avec Justin Fields. De la team, tu vois, en général. mais... Tu le changes, changes en running back, puis that's it, just, that's it Justin Fields. Pour vrai, ouais. On du la mets-le en disant, running back, man. Pour vrai, met running back. Même que si j'étais les Bears Mais il n'y a pas couru comme ça aujourd'hui. Non, il essaie lancé. de prouver encore qu'il peut lancer, mais il faut qu'il comprenne qu'il y a juste des jambes. Son bras n'est pas accurate. Mais ça va là, il est Ah, c'est pour ça. receveurs sont corrects. Ils sont corrects. Moi, je pense que même s'il si y avait les receveurs, il y avait une O-line, je ne crois pas que ses balles seraient aussi précises. Get pick? Yup. Let's go, c'est ma défense. Matthew Stafford, pick. So, bon, premièrement, les Giants ont remonté sur le lead. J'ai bien compris. Pas. Wow. C'est taille C'est taille C'est 28-28 oh, okay, l'autre. 28. Et puis là, euh, je pense que les 49ers, encore une fois, Broperty va gagner grâce à son casque. <laughs> et non, grâce à lui. Mais bref, regarde. C'est un sujet pour plus tard. Yeah, yeah. Bref, ça veut dire que vague sur Justin Fields. C'est sûr que aller running back. Et puis même si j'étais les Bears, j'aurais mis le second QB starter. j'aurais mis Justin Fields running back, commencer déjà les reps cette saison. <laughs> puis tank. C'est commencé si, <laughs> comme ça. Bon, oui, oui. de vrai, Justin Fields, je pense, il ne pas, pas lancé, I guess. Il pas lancé. Euh, les, les, les équipes ne le respectent pas vraiment comme passeur. Puis s'il si, si ne veut pas courir, comme il a couru à la fin de la saison, s'il si ne veut pas courir pour 100 verges, 200 verges en tant que QB, comme tu n'aides pas ton équipe. Non. Euh, parce que par la passe, you, you ain't doing it. Il a commencé la game vraiment comme deux passes à, à mort. 64 verges, touchdown. Puis on était rendu genre à 5 minutes du. 5 minutes du deuxième quart. Au premier quart, il y avait ça, là. Mm. 5 minutes du deuxième quart, il y avait encore 64 <laughs> verges. <Okay. laughs> <laughs> C'est top, là. Oh, man. Oh, man. That's sad. That's sad. All right, next game. Uh, Bengals-Ravens. Ah, C'est moi qui l'ai regardé, celle-là. Ah. Uh, game de division. Hmm, uh, re Revenge des okay. playoffs pour. Uh, Revenge. C'est pas bonne game. Non, c'était une... ben, intéressant, mais c'était pas une bonne game pour les, les, euh, les Bengals. Les Bengals. Puis les Bengals, encore une fois, je pense que c'est la troisième année de suite, ils commencent au one tout. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ils vont still faire les playoffs Cette année, c'est plus tough parce qu'ils ont perdu deux games de division back-to-back -back contre Cleveland et les, euh, les, les Ravens. Sincèrement, je pense pas parce que la performance que les gars me donnent, euh, Burrow et Chase, même des... je pense même toutes les gars, toute l'offensive. Les... Toutes les... Toutes le... De, des Bengals présentement sont pas encore réveillés. Ouais. ne sont pas encore réveillés. Et tant qu'ils se réveillent pas, je peux pas dire qu'ils vont se rendre loin. Ouais, parce que cette année, si les Browns viennent jouer, les, les, euh, si Browns jouent pour de vrai, ben les, les, les Bengals, je trouve qu'ils ils ont un problème. Exact. Euh, tu veux pas commencer à chaque année, ton offense est sluggish comme ça. Genre comme. Puis je pense, Joe Burrow, là, cette semaine, c'était. Je... On dirait qu'il est pas capable de lancer plus loin que genre. 5 verges. Hein. Son check down, c'était ça son premier jeu. c'est Ça, son premier read. Il regarde un joueur, après ça, check down. Euh, puis les Ravens, je trouve que genre, le fait que Andrews est revenu, Lamar Jackson avait l'air confortable. So, ouais. Quand Lamar Jackson est confortable, il sait que son security blanket est là. Là, il s'amuse. Il, il prend le temps de shake 2-3 D-line, puis avoir ça il fait juste la dump à Andrews, puis Andrews le check a first down. So les, les Washington Commanders gagnent? Yep. Et... Yeah. C'est surpris. Russell. Yeah, les gars gagnent 21-0. Robinson. <laughs> C'était 21-0. <laughs> yeah, les gars, c'est euh, rancé. Mais ah, c'est ça. So um, est-ce que vous pensez qu'ils font les playoffs, les Bengals? Moi, je vais dire encore oui. Parce que leur high power offense va recommencer à marcher dans pas long. Chase a une mauvaise game, Burrow a deux mauvaises games. Hey. So, moi, je... yo, yo, ils font ça chaque année. On va, euh... on va voir week 4, week 5. Mais au moins tu avais Jomarchase qui avait au moins des, bon, des bonnes stats. Au moins. Là les gars comme euh, euh, Misogod a regardé la game, on s'est texté dans le groupe. Le gars vrai, a dit qu'il abandonné, Il était sluggish, right. il était sloppy, Burrow le regarde même plus comme option. Burrow quand il était désespéré, il l'envoyait à Chase. Là c'est même plus une option. Pour le ils, ils ont la chance que leurs trois prochaines games, c'est Rams, Titans, Cardinals. So, yo, Rams sont en train de donner un struggle aux Niners. Ils pourraient être 3-2, mais on va dire qu'ils ont perdu une. là. Ils hmm. yeah, ont commencé 1-4 après... l'année passée. So... Ouais, mais c'est ça l'affaire. Tu sais que les Steelers sont toujours emmerdants. Mm -hmm. Mais d'habitude, tu peux compter sur les Browns pour être trash. Facts. Mais là, tu as les Browns qui pourraient aussi être une team qui compite dans Facts. ta propre division. T'as déjà perdu contre les Browns et les Ravens. Tu te mets déjà dans une position où tu dois run le table à la fin pour exact. faire les playoffs. So. Pas comme s'ils ne l'ont jamais fait. C'est quoi? So. quoi Non, il ne faut pas les playoffs cette année. Il ne faut pas les playoffs cette année. Je pense que ça va être une déception, c'est un upset. Ils ne font pas. Moi, je pensais que dans ma tête, les Bengals n'allaient pas avoir 11 wins. Je pensais qu'ils allaient faire moins que 10 wins. Euh, je ne suis pas encore prêt à dire qu'ils ne vont pas faire les playoffs, mais ils sont. Ils sont... C'est comme en là. Un autre mauvaise Apprenez performance, avec, euh, puis Miso. je vais dire qu'il ne faut pas y bluff. Comment, Kaza Approuve avec Mizogod. Il est trop tôt pour eux. Oh. C'est de leur sort. Alright, next one, les Jets. Oh lord, oh lord, oh lord. Euh, regarde, ceux qui regardent la game présentement, qui ont vu la game mm -hmm. comme Cowboys, les Cowboys donnent une leçon de football aux Jets. Euh, encore une fois, Zach Wilson euh, ne performe pas. Euh, il ne peut pas être un QB. Il peut pas être pour de vrai. Puis là, je vais donner des preuves à Brock Purdy. Brock Purdy est arrivé, il a fait ce qu'il devait faire. Il y avait les outils, il a fait ce qu'il devait faire. Les Jets ont les outils. Zach n'est pas capable de lancer quand il y a un blitz. Il n'est pas capable. De, non, mais est, il est pas capable de lancer quand il y a un blitz. Il n'est pas capable de, de, de read la, la défense correctement. Il ne peut pas jouer QB à ce niveau-là. C'est décidé, c'est signé. Les Cowboys le démontrent aujourd'hui. Maintenant, est-ce que Aaron Rodgers, qui est out for the season, confirmé, va revenir next year. Et lui a dit oui. Il a dit même s'ils font les playoffs, il va peut-être revenir pour les playoffs, which, moi, je pense, c'est un reach. Mm -hmm. Mais il a dit qu'elle allait revenir l'année prochaine. Lui a dit oui, son corps a pas dit oui. C'est comme... <laughs> comme je, je, je sais pas pensait à quel âge. Mon euh, tu viens d'une équipe qui a une trash line à la base. Euh, moi, si je suis lui, c'est fini ça comme un, un signe, du, un karma, pas karma mais comme un signe de, du, du, du destin, je sais pas, euh, y a quatre jeux, ta saison euh, pas, est finie, on t'a pas, soit comme si on t'a vraiment pété genre sur le, le, le taco, c'est juste <laughs> comme un freak injury. Euh, là tu dois aller en rehab, puis tu dois être en rehab juste pour te mettre à un niveau que tu, même pas T'es prêt à jouer la non, saison là. Tu peux juste courir Practice. au marché Practice. là. Juste, ouais, non, non. C'est vrai. Rapprendre à vivre. C'est vraiment ça. Rapprendre à vivre. T'es so, pas comme tu as commencé la saison, tu seras pas comme good là. Comme revenant en playoff, ça va faire quoi en venant en playoff Genre comme tu as lancé des pics genre. Mon cher Ça donne. Quand même quand t'as ton pic en playoff, tu joues Tu penses ça va faire quoi en venant de Rehab <laughs> Ça sert à rien. Non, 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 c'est so, vrai. Pour moi, si je suis juste revenir, t'as du cob, reviens, mais je pense pas que genre tu vas être. Tu vas être good. Là. Comme tu vois la moi, je regardais la mort aujourd'hui je... il y a eu deux blessures euh, à son genou puis je regardais, il n'y a plus le, le même speed. Of not. Tu vois qu'il n'y a plus le même burst en jouant. So, imagine Rodgers. Hey. Euh, so, je ne veux pas peut... dire que sa carrière est finie, il peut still, comme il peut still manage, mais mm -hmm. genre, je ne pense pas que les... Rodgers revient puis les Jets, c'est des contenders. Là. Vous êtes juste une team qui joue avec un old QB. S'il revient, c'est parce qu'il euh, est prêt à peut-être être un second unit. Comme. Non. Bro, il revient, comme il flaco, une... <laughs> Comme les Greats qui ont, qui, ont été, qui ont été down ball après une blessure. Ils ne reviennent pas au même niveau. Malheureusement, c'est du mentorat qu'ils vont faire. Moi, je suis les Jets. J'essaierais de salver la saison avec euh, Trade pour Kirk Cousin. Même si je suis Kirk Cousin pour rien, mais ah. au moins, il y aura des oui. weapons. Oui, 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 pour vrai, oui. Comme aller chercher un autre QB. Pour vrai, ou, oui. Arsoul, euh, Zach Wilson. Zach Wilson n'est pas le, le gars. Oh, il est trash. Oh, my goodness. Comme, même si vous faites les playoffs, ça va être comme sur les fesses. Bon. Mais bah, je pense pas qu'il faut les faire les playoffs. Mais les passes bah, vont finir avec un meilleur Ils ont du besoin d'un QB. Genre. Je pense que les gens disaient est-ce que Tom Brady va <laughs> aller jouer avec les Jets oh. J'ai vu ça, Tom Brady avec les Jets. Ah, il, il ferait une meilleure performance que Zach. C'est sûr que non, mais base. Tom Brady est jamais là parce qu'il sait que la line est trash. Puis il va mm -hmm. se éclater. C'est vrai. Euh, mm -hmm. Puis anyway, c'est un, un partial owner de Vegas. c'est so, un peu un badger. Mais pour moi, Rodgers, je pense que c'est probablement… Bon, on ne le verra plus jouer, j'en pique Rodgers. MVP Rodgers, c'est fini. fini. C'est bon, déjà fini l'année passée, mais là, il n'y a aucune chance que ça, ça revienne. Ça. Euh, même s'il revient après la blessure, c'est juste, juste, comment dire, par euh, défiance. Genre. On peut mm -hmm. dire, oh, je peux encore jouer. Pas parce qu'il peut vraiment encore jouer. Je pense que c'est over. C'est over. C'est over pour le numéro 12. C'est ça son numéro 1 avec les Jets? Yeah. yeah. Ouais, 12. Fini. What's up, Kaza euh, moi je pense pas qu'il revient. Je, je pense que c'est la même blessure que Kobe Bryant avait eu après sa carrière. Ouais. ouais. Et on a vu qu'est-ce que ça a fait de lui. Il mm -hmm. est encore plus jeune que Aaron Rodgers. Et... Et... Là tu me parles d'un gars qui est 40 ans okay. et qui joue au football, quarterback. Va revenir comme back all off the bench. Running quarterback pour une franchise qui est supposée aller en playoff. Allez, sortez de vos fantasmes, les gars. <laughs> bon, je pense que c'est plus au basket qu'au foot, là, mais... bah pour un QB, QB c'est payé. Il utilise vraiment son, ouais. son, 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 son footing. Mais toi. il ne reviendrait pas pour être backup anyways. Bah, non, voilà. zéro. Voilà. Bon. dis moi je regarde le play de, de Saquon Barclay. Grosse course. The Giants vont gagner la game, guys. Um, bon. L'autre question c'était quelles sont les attentes de Zach Wilson Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on sait tous c'est quoi les attentes. Il va se faire bench encore cette année. C'est sûr et certain. Mais je ne sais non, même pas c'est qui le backup. C'est ça. <laughs> Mike White, je l'ai vu, encore dans l'équipe. Euh, euh, on ne sait pas ce qu'il le backup, mais le backup pas... va faire mieux que lui. Ouais, je, je, pro probablement, mais on va voir. Ok. Mais c'est ça ses attentes Qui va aller, qui va, va bench. Ils vont finir quatrième de leur division, puis ça va être ça, bro. Oui, en effet. C'est plate, mais ils vont finir en dessous des pattes. Non, que peut-être pas. Bon, oh, 100%, ils finissent sans tout. 100%. 100% défendre, ça, <laughs> on verra. une bonne... La défense est légitime. La offense dit, est legit. Est, aussi est légitime. Ils sortent et tout ça. Ils ont Pour de vrai, Puis je pense que Wilson s'est amélioré comparé à... <laughs> c'est style pas bon, mais s'est amélioré comparé à ce qui était... <laughs> c'est toujours... C'est toujours... Bon, c'est toujours... mon gars C'est toujours... J'ai la misère à me rappeler. C'était vraiment... C'était horrible. Pour moi, c'est la même chose. C'est plus de horrible. Non, c'était horrible. Il y a une amélioration. Souci est capable de s'améliorer durant la saison. Misogot. Non, on, on, passe, on passe au prochain. On, on oublie Zach <laughs> Wilson comme ça. Si je suis désolé. <laughs> euh, ma, la dernière question que j'avais pour le football, moi de mon côté, euh, c'était euh, j'ai remarqué que euh, les Lions, euh, les Giants, les euh, 49ers, ils commencent à jouer comme ceux comme qui jouent à Madden. Donc, Four euh, down. down, they go for it. Trick play oh. on the field goal, trick play on the punt. Play, play flip flicker. Advanced Analytics, man. So, ma question, c'est est-ce est -ce que les, les équipes devraient jouer plus comme on joue à, ma à Madden ou c'est euh, toujours considéré comme un risque C'est prouvé scientifiquement avec des Advanced Analytics. Mm -hmm. Tout qu ce qu'ils font, c'est calculer. Ils, ils essaient pas des 4 et 3 à la ligne de 25 de, 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 de l'offense pour rien. Mm -hmm. C'est calculé, c'est mesuré. Comme ils, ils savent qu ce qu'ils font. T'inquiète. Parfait pas pas comme notre boy là qui faisait real 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 donkey <laughs> c'est pas pas des affaires comme ça là moi au bout je pensais pensais c'était du game ball mais l'affaire c'est faut que tu saches quand utiliser le game ball tu peux pas le faire n'importe quand genre ouais. moi je trouve qu'il y a des équipes les lions le font n'importe quoi ok pis, quand ça marche ça marche quand ça marche pas ça, ouais. ça marche pas ils prennent un bâton puis c'est fini ouais. mais si tu l'utilises au bon moment comme faut que tu saches que comme des fois ça sert à rien de kicker parce que on va dire, tu vois, l'autre équipe, ils drive le terrain sur toi à chaque fois. Ils vont faire un touchdown quand même. Ta défense, c'est trash. T'as un 4-1. Puis t'es à, à leur ligne de 40. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que tu sais qu'ils vont drive anyways. Mm -hmm. So, vas-y au 4-1. Mais si tu vois que ta défense était en train de comme lockdown, c'est une game, c'est 10 à 7. Là. Puis tu as fait un 4-down, puis tu as foiré ton 4 down C'est toi qui cas parce que ta défense, t'as donné toute la game, ils étaient là. Genre, c'est aussi genre faut que tu saches quand utiliser ces affaires là. là. Mais il y a des coachs qui sont rendus genre <laughs> tu thug à là, <laughs> <laughs> ils arrivent dès le début bang bang bang, Then, ils yeah. essaient tout. <laughs> J'ai vu game. Euh, les Jets ont fait un autre aujourd'hui, ont en fait un fake punt euh, comme oui. les Lions aujourd'hui, yeah, il yeah, l'ont réussi ouais. mais après ça ouais, ça, fait un, ça fait ça fait tuer un out encore. Yeah. Mais c'est rendu 4e essai, ils ont dit on peut pas le faire encore parce que là les les Cowboys sont Il faut que tu l'utilises au bon moment aussi, tu comprends c'est à vous. Ah, vas-y, Kaza. Je suis d'accord avec vos points. Tout dépend de quel team tu as et quelle offense tu pars. On a le fait d'être spacieux, mais avec une team qui a une merde, tu joues Voilà, c'est l'équipe que je leur donne. Ils peuvent le faire quand ils veulent parce que personne ne peut arrêter ce bail-là. C'est les Eagles. Leur bail rugby, le cubismeek. Le là. deux verges, tout le monde pousse et puis c'est dead. Personne ne so, peut arrêter ça. Hertz, Je un Squad ah. 500, 500. C'est <laughs> pour ça qu'il fait ça de base. Les gars, Et les gars, ils jouent au rugby, ils pourraient aller dans le World Cup rugby. On facilement. Mmh. All right, maintenant NBA, euh, c'est pas encore NBA. Basket. Il n'y a pas une grosse chose qui s'est passée euh, de vraiment fou. Une seule chose. The King, LeBron James. <laughs> Il a vu que Team USA, euh, Team B s'est fait euh, smack. Et puis que Darren Brooks a fait plus de 30 points sur leur tête. Il l'a pris personnel. Il est en train de faire des appels euh, pour créer une équipe pour les Olympiques, pour s'assurer que ça n'arrive plus. Puis qu'ils ont, ont le team A. Euh, quels sont les quatre joueurs, selon vous, qui va, que LeBron va recruter pour les Olympiques 4, Les quatre storylines avec lui. Steph. Steph. Quoi, quoi? Je vais laisser Kaza commencer. Kaza, je sais déjà qu'il y, y a du hate en lui en ce moment. Dis-moi, c'est qui les quatre patinés qui vont rejoindre le King pour gagner les Olympiques? Personnellement, je pense que LeBron va aller recruter les joueurs qui l'ont battu yeah, <laughs> à <l 'os> précédemment. Je me disais qu'il fallait avec ça. Il fallait faire ça dès le début. Point guard, Steph Curry. Forward, quoi? Ouais. Ouais, je pense voilà. qu'il va, qu qu va aller avec son boy, Eddie. Yeah, Kevin Durant. Ben, peut-être. Mmh, Jimmy Bucket. Je ne m'attendais pas que tu disais Jimmy Bucket. Ok, ok. J'aime Jimmy Bucks. Euh, oublie Eddie. Eddie est trash. Vax mm -hmm. mm -hmm. sur Eddie. Mm -hmm. Steph, c'est sûr. Euh, KD, c'est sûr. Puis le reste, je m'en fous. C'est un disgrace que <laughs> vous devez. Arriver comme. Vous devez avoir des déceptions après déceptions après déceptions pour que. Le king dise, je vais aller jouer aux Olympiques parce que là, ça fait aucun sens. Team USA n'est pas censé perdre. C'est un disgrace. Je m'en fous de la team. Elle a perdu en 2004. Je m'en fous de la team. La team, si elle amène tous les rosters de la NBA, la team va être dégueulasse. Mais comme ça, va juste pas être un non-contest pour tout le monde. C'est tout. Moi, je voudrais, s'il n'y a pas fait une team, ils ont besoin de trois joueurs. va dire c'est LeBron, c'est un point guard, Tackery. Merci. Mm -hmm. Puis as, tu prends KD. T'as besoin de big, mais il n'y a pas de big ils aux pas States. De big. Okay? Oui, ils ont besoin de big. Comme quand tu joues contre le World. On l'a dit dans ta épisode, besoin besoin de big. big. <laughs> Puis il n'y a pas beaucoup de choix big aux States. Comme euh, c'est quoi C'est Bam, c'est Michael Turner, JJJ, mais c'est C'est plus... OK Ah non, non, non. Euh, pas pour Non, c'est Jared Allen. Euh... En tout cas, ils n'ont pas beaucoup de choix, mais il va falloir qu'ils se trouvent des big mais, mais comme les trois joueurs je voudrais voir sur le terrain, genre, si le, avec le blond, le blond avec lui, on a déjà vu dans les Roster Games, c'est sale quand même. Si yeah. tu mets Kevin Durant, un d'un autre gars qui est super efficient comme Shooter, ça va être sale aussi. Yeah. So, il, reste juste, euh, il reste juste à comme setup les deux autres positions sur le terrain pour des gars qui vont complémenter ces trois gars-là. Des ouais. Shooters, man. Non, pas des Shooters, t'as déjà que oui. Tu as, as besoin de comme, greedy guys », les gars qui vont, qui vont fight. Les gars qui vont aller pour les loose balls, qui vont aller prendre des rebonds. Je n'ai pas besoin d'Edi si l'aide n'est pas prêt à aller prendre les rebonds, tu comprends? Ça, c'est pas de Westbrook, là? Non, Westbrook n'est pas dans la team. J'ai besoin d'un gars qui ferait ce que Westbrook ferait, tu comprends? Mais étant big. Étant big. Comment j'irai avec J.J.J., John Jackson, comme big, LeBron? Mais ça ne peut pas être au centre, il est trop small, c'est un power forward. Le, le plus gros qui ferait du ça, même Gary Allen, qui est comme tu as dit, qui est big. Ah, lui, ouais, il, Je trouve lui, pas qu'il est il pas comme boosté comme Exactement, ça. Exactement. Mais... Je trouve que euh, JJJ est plus boosté que Allen, sur le terrain. Là, et, mais Jared part, Allen va prendre les rebonds. Ça. Voilà. Ouais. Je dirais avec JJJ, LeBron, Curry, KD, et puis. Euh... Booker. Booker, c'est mmh. méchant. Mais mmh. lui... trop de gars qui. Tu sais quoi? Booker. Ok, beaucoup. Avec ce squad-là, ils me vont me gagner l'or Tedum Tedum, ou vous Comment t'as dit ça Ça va être gars qui 3... a besoin de la boule. Et si vous croyez avec ce squad-là, ils vont gagner l'or euh... ah, Ils peuvent tout le temps choke, man. Ça ne me surprendrait pas qu'ils choke contre Jokic euh, et la Serbie, man. Voilà. Non, pour moi, elles devraient gagner, là. C'est. C'est euh... qui qui finit deuxième C'est ça la compétition. Je pense qu'ils vont finir deux, euh, avec un d'argent. Contre qui Comme Frank a dit, la Serbie. Ok. C'est pas, pas mauvais comme optique comme, comme pour elle. Oh, non, si un gros senior contre une team, ça peut tout chambouler non, votre Si les gars euh, viennent avec tous leurs joueurs, c'est. C'est dead. C'est dead. Comme, en plus, il faut, faut un gars dans le starting line-up, c'est un fucking defensive stopper. Là. Tu peux pas venir juste avec des scoreurs. Là. Ils amener... vont venir avec juste des scoreurs, c'est ça l'affaire. Non, je, je crois pense qu'ils ils sont, sont un peu plus smart Tu amènes Jimmy que... B qui est, un, qui est un bon defender. Ouais. Tu amènes euh, euh, même euh, Smarty, si il faut à des moments. Tu amènes des gars qui sont des gros defenders et qui font vraiment un changement. C'est ça, ouais. Ok, that was it pour, la, pour le basket. Uh, Champions League, Spenty, mm. take it away. On, on commence la Champions League en force. On a des grosses games cette semaine. On a mardi, on va avoir Milan contre Newcastle. Ça va être, euh, je ne veux pas dire un revenge game, mais ça va dire un, un homecoming pour euh, Tonali qui, qui s'est fait euh, vendre à Newcastle cet été. Il va revenir à Milan, il va jouer contre Milan. Euh, on, on vient de perdre 5 à 1 contre Inter Milan, mais je m'attendais qu'on se fasse frapper parce que tous nos défenseurs sont blessés. So, euh, J'ai hâte de voir contre Newcastle. Euh, si on n'a pas un ou deux gars qui reviennent de blessure, euh, Kalulu ou Tomori, ça peut être dur contre Newcastle. Mais moi, je vois Milan draw ou win contre Newcastle. Après, on a PSG contre Dortmund. Euh, j'ai hâte de voir ça dans le dans Champions League, comment PSG va ré réagir, parce que présentement ils vont vraiment mal dans la Ligue C'est à Dortmund ou à PSG? Euh, j'ai pas regardé, c'est qui qui est home. Si c'est à Dortmund, Dortmund gagne. c'est à PSG, PSG gagne. comme ça. Il y a un autre petit game, Atletico-Latio, je trouve que... Je, je devais la mettre parce que c'est deux grosses équipes, deux mm -hmm. bonnes équipes, mais je trouve que cette game-là, si, si vous avez d'autres... Il y a plein d'autres games à écouter, écoutez pas Latio-Atletico, ça va être super défensif, ça va être super plate. Puis mercredi on a une grosse game Bayern contre United. Je suis pas mal sûr que Bayern va foutre une soufflette à United. Fax. moi ce que tu as dit, j'approuve. J'ai hâte de voir la compétition puis de voir comment ça paraît. Ok, un Commando c'est à quand avec la game Parti. C'est quoi, c'est quoi Gang par Gang par Alors Giants et Commando font un comeback. Ah, bah ouais, Ben. Bon, je voudrais juste comme ça revenir à question pour revenir à l'NFL parce que mm -hmm. je vois, il y a des équipes. L'équipe <laughs> qui commence on 2 là, des disappointments. Il y a les Chargers, il ouais. y, mm. mm. euh, bah y a les Bengals, il y a les Broncos. Broncos, c'est pas surprenant, mais c'est surprenant. Ouais. Euh, dans, les, dans ces trois équipes là, qui vous pensez qui est le plus décevant T'as dit Chargers, Bengals puis Broncos. Broncos, qui, qui est plus des Chargers. Ben, Benco, Bengals. Bengals, ben. je suis très déçu des autres. Moi, je pense que c'est Chargers aussi. Chargers. Les Bengals commencent tout le temps à trash. Les Chargers, j'ai tout le temps un hope. T'as tout le temps un hope. La défense des Chargers est vraiment trash, by the way. Ouais, c'est je j'allais dire, les gars. <laughs> même avec Bossa. Ils ont plein plein point de points de, des deux bords de côté. Puis à la mmh, fin de la journée, yeah. quand t'as pas de défense, quand ils font le last stop, ils l'ont jamais. Ouais, wow, c'est vraiment ça. Ils font jamais le last stop. Exact. Les Chargers gagnent au half. So, Up you know, he's come back. Hebert a, bit, a bit quasiment fait un autre game winning drive, though. Oui, il Quas 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 Quasiment. Souvent Quas ça, toujours quasiment. Non, un... parce que Hebert va faire le game winning drive. Mais s'il laisse du temps à l'autre équipe, l'autre yeah, équipe va faire le game winning ça qui est drive. C'est ça. So, non, les... Parce qu'ils sont allés en OTI. Puis en outil, les, euh, les Titans ont gagné. Ils se, sont, ils se sont fait three and out real quick. Euh, non, et après... Ouais, euh, une... like Herbert aurait dû pas signer avec les Chargers. J'aurais aurait dit, je ne une pas avec vous vous arrangez pas votre fucking les Jets that, les, oh, jet. euh... les Jets? Euh, euh... Là, là, il est trop tard. Nah. Non, mais peut-être les Jets auraient été bons. Ouais. Il y aura plus ouais. Dire, Il aurait pu dire okay, que je vais être free agent et vous, vous êtes trop poche. Euh, bah, c'est quoi cette différence qui est pas capable de garder... les euh, peux rien, rien close. Les gars ouais. ont beau euh, ça, Mac ils ont poigné le, le corner de... Ils se sont fait fleece par le corner de, de Patriote là. Je pense c'est quoi son nom? Phillips? Le gars a fait euh... un All-Pro, ouais, 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 puis ouais, depuis, ouais. il partait trash. <rire> <rire> euh, <rire> Et les Giants ont complété le comeback, yeah. by the way. C'est pour ça perdre contre Cardinals, mais ils ont gagné. Mmh, ils perdaient par quoi? Par 21? 21. First 21. comeback win since October 1949, j'ai vu. So, ils c'est style poche, ils ne sont pas supposés être <laughs> dans un comeback oh, pour gagner game. Ils ne sont pas censés perdre par 21 contre les Cards. Gars ils sont so, style poche, mais c'est ça. Bon, guys, moi, il faut que je termine ça. Mmh, ouais. euh, guys, merci de nous écouter. Like, follow, subscribe, comment, et puis ouais. share. Et puis, on va être back next week.